Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire notre subsistance en solo. Je suis allé vérifier les poules, je les ai nourries un peu. 88 de flotte, 97 de nourriture, c'est bien. On va éteindre la lampe. Économie. Le feu, on va le laisser. De toute façon, on s'en fout. Par contre, il va me falloir quelques trucs parce qu'il va me falloir un feu quand même au cas où dans la grotte. Et donc, 4. 4, 4. Également, on fabrique ça. Je vais arrêter les planches du coup. On va finir celle qui est en cours, évidemment. Hop, ça, voilà. 9 planches, ça m'en fait 20. C'est pas mal. Et normalement, le feu, on peut le poser même au sol. Pas besoin d'avoir de fondation. Ouais, c'est bon. Je vais pas m'encombrer avec du bois, je vais prendre une brique. Hop. Ça. Un allume-feu. Vous voyez. Voilà. J'ai l'allume-feu. De quoi allumer le feu. Et ben, on va pouvoir partir dans la grotte, on s'en fout. Donc lui, il est bien, il va crever. Donc nous, la grotte. Ok, par là-bas. Il fait nuit, mais ça, on s'en fout en vrai. Bon, je connais pas l'entrée de la grotte. Ouais, un mec là-bas. Je vais sûrement me faire attaquer le temps que je serai sous l'eau, mais bon. Pas bien grave. On regarde en même temps si on voit pas des perles. Ouais, il fait pas bien jour. Ok, je suis plus ou moins à l'endroit indiqué. L'autre là où il bouge pas. Ça vient chez moi là, non? Demi-tour. Je préfère être sûr là. Il y a une lumière bleue pas loin. Non, c'est bon. Il se casse. C'est sûrement un pêcheur. Fumier. Ça fait perdre du temps pour rien. Ouais. Pas tout à fait. Je vais pouvoir aller chercher un petit loot quand même. Pas toujours ça de prix pour cette journée. C'est bien, le jour se lève. On verra mieux sous l'eau. Ok. Ah oui d'ailleurs. Que je regarde ce que j'ai sur moi niveau nourriture. Les clous ici. Biocarburant. On va dedans. Ah! J'ai... Fumier! Une flèche en moins. Ah mais... Ok, trois flèches. Fumier. Ah, y en a un autre qui arrive. Ok, un de mort. Eh, mais calmez-vous. En fait. Calme-toi. Bah, dis donc, quand je suis pas parti. Je préfère attaquer direct. Bordel. Ouais, bon, pas fou. Là. 2 balles de pompe. Ok. Bon, bah, on va regarder de nouveau ce que j'ai sur moi. Vider tout ça. Le fumier. Balles de pompe, là-dedans. Les varecs. Pomme. Le tissu. Le tissu, le tissu. Ah, je vais prendre ça quand même. Les trousses de soins. Voyons. Là-dedans, ça là, pas ça, ça sur l'établi, minerai là, feuille ici, ça ici, c'est bon. Je vais juste reprendre une balle du coup, et je vais quand même me refaire quelques flèches, je pense. Je me dis donc, j'avais pas beaucoup. Ah! Bâtard. Merci.
Donc bâton et clou. Ça se fait par 2, j'en ai 15, ça fait 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 25, c'est plutôt bien déjà. On va pas tout consommer. On va refaire des bâtons. Plume, ok, il y en a encore. Nickel. Allez, let's go cette fois. C'est la bonne. Et donc ça doit être là la grotte. Juste en dessous. On va continuer. Je vois qu'il y a une perle. Je vais plonger et mettre ma tenue le plus tard possible par rapport à l'oxygène en haut. Je crois que j'ai même deux perles. Allez, 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 allez. Plus tard possible, plus tard possible, avant de prendre des dégâts. Maintenant. Voilà. J'avais une perle et là aussi. Oh, c'est magnifique. Et ouais, la grotte est là. Ok. Donc, vous voyez, mon oxygène n'était pas ouf, mais ça va. Allez, c'est parti! Oui! C'est la première fois que je suis dans la grotte là, évidemment. J'ai toujours été dans celle du Grand Lac. De l'autre côté, quoi. Dans la première. Ça va, l'oxygène de la bouteille descend pas beaucoup. Tant mieux. C'est tellement bien. Là, je suis content, là. Et vas-y, vas-y, vas-y. Ok. J'ai des champignons là-bas. J'allais voir du côté là. Peux pas, de toute façon. Il n'y a rien ici. Bon, on va pas pouvoir se perdre dans la grotte, évidemment. Allez, allez, allez. Encore! Oh là, les relous! C'est dingue ça. Il y a déjà des minerais ici. Là aussi, tout ça c'est du charbon. On va déjà prendre ça pour vous montrer. Voilà. Quête de charbon. Oh, c'est que dalle. Moi je mettrais bien. Le bien c'est qu'on a une rivière ici. Je mettrais bien le feu ici au cas où. Quand même. Histoire de pouvoir me vider un petit peu. On va mettre ça, le feu, on va mettre ça dedans. Voilà. Même si au final j'avais du charbon à mettre dedans. Donc j'aurais pas eu besoin de prendre le carburant, mais c'est pas grave. Par contre, sauvegarde la partie. Si je meurs, je recharge. Évidemment. On va faire quoi que ce soit, c'est plus prudent. J'ai vu un truc là-bas, j'y vais. Allez, j'ai envie de vous montrer tout ça, j'ai envie de voir aussi. Les champignons! Tellement bien, bah, fruits et légumes, voilà. Donc on n'est pas pris, moi qui ai oublié de manger. Bah bravo. J'avais dit qu'il fallait que je regarde, je l'ai pas fait. Nul. Bon allez. Vu qu'on a le feu sur la gauche, on va partir sur la gauche. Justement. Il y a deux rivières, ok. Donne-moi ça. Mange du coup, c'est bien. J'ai pris qu'une seule gourde. Et dis donc. Celui-ci, ça commence bien. On a deux passages. On suit la rivière. Ah, pas de minerai non plus, c'est bien. Pas rien. Il y a du charbon là. Je vais essayer de le prendre en même temps. Faut juste faire attention au mec.
Ils sont quand même solides les mecs là-dedans. Si je peux tout prendre d'un coup, pour de gagner du temps. Ah. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est ce que je suis venu chercher. C'est le cristal. Voilà, en voilà 4. Les 4 premiers. Oula! Oufoufoufou. Un mec là. On a un autre à droite. Oh bordel. Arrête de bouger. Oh ben là il s'est cassé la gueule. Aïe 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 aïe. En 6. Oh ils sont nombreux. Un mort. Oh bâtard. On va recharger la game. Ah oui, il nous démonte avec le pompe. Réapparaître, non. Recharger la dernière. Sauvegarde, oui. Hop, on est de retour. Du coup, faudrait que je sauvegarde à chaque fois que je prends un minerai et un champignon, quoi que ce soit, quoi. Ça, par contre, c'est bien ça. Cristal. C'est tellement ouvert. Voilà. Pas de champion, on est d'accord. Donc là, comme j'ai dit, je sauvegarde. Les deux minerais, je sauvegarde. Surtout le cristal, bordel. Je sais pas pourquoi j'ai fait des flèches. Je pense que je vais pas beaucoup les utiliser, mais bon. Je prends le minerai, je sauvegarde. Déjà, c'est bien, je vais avoir beaucoup plus de cristal. Attendre, on sauvegarde. Beaucoup de sauvegarde aujourd'hui. Voilà, oui. On va faire attention, on met les pieds. On va retourner voir là-haut. Tac. Ah, y'a un mec. Bon, j'en vois qu'un. Je vais essayer de me le faire et je vais me planquer là-bas. Ah! Fuck! Cours, 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 cours! Ah! Il est derrière, bâtard! Ouais, mais on n'a pas le même con! Arrête-toi! On n'a pas le même arc non plus, bordel! On sauvegarde, évidemment. Oufou! Ah, ils sont l'arc amélioré, le pompe amélioré. Tout va bien. Personne. Hop, je prends ça.
Ça, c'est un des derniers minerais ajoutés. Le phosphate, ouais, c'est ça. On va prendre le charbon. Ah. Je sais pas si vous avez entendu, vous. Et moi, j'ai entendu voler. Donc, une chauve-souris. On va sauvegarder là. Ah oui, il faut lever la tête aussi. C'est vraiment chaud les grottes. Charbon ici. Couché. Je me casse. On va prendre en 6. Aïe. Et voilà, une chauve-souris. Il est mort. Bandage. Ouf, ouf, ouf. Attention à la chauve-souris. Oh! Elle est sur lui. C'est bon là? Oh! Oh vache! Je vais prendre en 4. On va sauvegarder quand même. Elle est où elle? Je sais pas où elle est. On va faire attention, on va écouter. On va enlever la tête. Voilà, c'est pas du charbon, c'est pas important. D'accord. J'ai envie d'aller voir en bas. Voyons. On aimerait bien trouver ouais, des champignons. Ouais, y a rien là-dedans. Ah! Leur feu était là! On est des bâtards. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, bah mange, pas mieux que rien, mais bon, pas terrible. On va sauvegarder là. Salope. Faut combien de balles, toi, bordel? Bandage. C'est dingue ça. Ok, un steak. Leur feu, là. Nickel. À défaut d'avoir des protéines. À défaut d'avoir des légumes. Des protéines. Des protéines. Allez, le steak au cuir. Je vais manger ça, puis bah, je vais sauvegarder, évidemment. Non, c'est pas tout. J'allais dire, je préfère des bâtons, faire des flèches avec ça, mais non.
Heureusement que j'ai pris pas mal de munitions en tout cas. Il va falloir cuire un peu plus vite. C'est chiant, la vie ça remonte. Vas-y, vas-y, vas-y. 22 minutes d'enregistrement. Ouais, la vidéo va être un peu plus courte, donc ça c'est déjà bien. Un peu plus court par rapport. Ah bah c'est prêt. Environ 22 minutes d'enregistrement, un tout petit peu plus. La vidéo va être un petit peu plus courte. Le temps passé dans le feu, je vais vous l'enlever. Le temps de recharge, je vous l'enlève aussi. Donc je surveille, mais ça va. Encore un peu de temps pour enregistrer. Tant mieux. Je vais aller là, mais je pense que ça va servir à rien. Je pense que ça va être pour les grottes de lave. Et donc la grotte de lave, c'est ce qui relie les deux grottes. Et quand je suis les deux grottes. Ah, il n'y a pas de map ici. Et ben, je vous montrerai ça quand je sortirai de là. C'est la grotte qu'on a ici et la grotte qu'on a dans le grand lac. Ah ouais, mais non, même pas, il y a des mecs là. What? Hop, il s'est pris une tête. Ah, il fait quoi lui? Ok. D'ailleurs, il s'est pas pris une tête, mais une flèche. Ok, un mort à la flèche. Bien. Arrête. Quand il voudra s'arrêter, il me fera signe. Monsieur. Bon, une flèche en moins, mais bon. Alors? Aïe! Aïe! Je crois qu'il est débugué. Bordel. Ouhou. C'est bon? On va ramasser les sacs avant de sauvegarder. D'accord. D'accord. Ah, des clous. Je charge. La flèche. Là aussi. Vas-y. Vas-y, donne. Wouah, chaud, 29 PV. Faut pas retrouver du monde en route, sinon c'est la merde. C'était que deux toutefois. Oh, y'a rien. Nul. Bon, j'ai réussi à en faire un à la flèche. À l'arc. Déjà pas trop mal. C'est quand même bien chaud ça. Ah oui! Cool. Mange. Ah, minerai. C'est bien. Du coup, ça m'a pas mené là où je pensais. La grotte est bien plus grande que ce que je pensais. La vache. Je continue de longer les parois de toute façon. Hop, là. Il va falloir que je sauvegarde. C'est le deuxième minerai que je prends. Ah, vite. Coucher, saloperie. Ouhou.
Très bien. Aux pompes, quoi. Non, mais. C'est fou, ça. Un champignon là-bas. GL. Oh, la pression, la pression. Ah, c'est même pas un champignon, bordel. D'accord, de loin, j'ai cru que c'était un champignon. Une pioche, vite. Doucement sur l'énergie. Là. Minerai et champi. Là-haut, mange. Fais-moi ça là. Bois, vas-y. Semble que j'ai vu, oui, ici. Là aussi. C'est vraiment pas le plus important le charbon. Mais bon, quitte à être là, autant le prendre. Là, ça me remonte pas mal. Hop. On utilise. Sauvegarde. Tourner par là-bas. Ah oui. Je vais prendre ça, je vais sauvegarder de nouveau. On va regarder à combien de minerais on est. Alors, 7 de phosphate, 27 de charbon et 21 de cristal. Bien ça. La sauvegarde. Quand même. Hop, on retourne par là-bas. Donc on va suivre la rivière en gros. Et là peut-être qu'on va arriver dans les grottes de lave. Ouais, ça descend. Donc cette fois, il y a moyen. Ah oh, oui, c'est ça. Clairement. Du matériel d'escalade est nécessaire pour s'aventurer plus loin. Voilà. Ici, on peut utiliser le grappin, justement. Au cas où de tomber, je sauvegarde. Avec le grappin, on peut descendre. Et ensuite, il y aura la lave là-dessous. Et celle-là, elle rejoint l'autre rivière. L'autre rivière. L'autre grotte qui est dans l'autre lac. Dans le grand lac, comme je l'appelle, le lac du début. Voilà. On va pas à la lave, c'est dommage. Mais j'ai trouvé le passage, c'est cool. Donc là, on va continuer de longer sur la gauche. 30 minutes d'enregistrement. Ouais, faut arrêter de courir aussi. Oups. Donc on va finir ça tranquillement. Oula, d'accord. Ah mais non, mais c'est encore autre chose, les grottes de lave, du coup? Parce que là, ça me fait clairement penser à la lave, la couleur qu'on voit. Donc ça serait pour plus tard encore. Il a encore prévu quelque chose dans les grottes. C'est bon à savoir. Très bien. Call Games. J'aime bien savoir qu'est-ce que tu nous prévois. Là, il n'y a rien. On peut avancer. On peut courir un petit peu pour contourner ça. Strictement rien. Tranquillement mais sûrement. Là. Vas-y, cours un peu. Ça m'aura le temps de remonter.
Très bien. Il n'y a rien. On passe par là. Bordel, même pas grave de monter là-dessus. Je vois rien nulle part. Là, ouais. Vas-y. En avant. Là, j'ai cru qu'il y avait du charbon, mais non. C'est la texture de la pierre. Ok. Wow, le charbon, il y en a plein par contre. On va prendre, on va prendre. Vas-y, 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 vas-y. Le truc qui est bien dans la grotte, c'est que peu importe le temps extérieur, on voit bien. C'est clair dedans. Fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Peu importe, on est bien là. Énergie 95 sur 95, on peut courir. Ah, t'es un passage là-haut, d'accord. Honnêtement, il faudrait que je trouve la sortie maintenant. C'est bien de trouver des minerais, mais bon. Pour trouver le passage. Là, non. C'est le passage qui descend, ça. Non, c'est clairement le passage qui descend. Ah. Je suis revenu ici, d'accord. La petite sauvegarde. Ouf. Je suis pas bien, je suis pas bien. Ouais. On aime bien se perdre dans les grottes. Plus d'énergie, youpi. À part là, en fait, clairement, le feu des mecs, on l'embarque. Voilà. Vas-y, avance. Cours, 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 cours. Pas beaucoup d'énergie, mais cours. Hop, arrête-toi. Je vais y passer à côté sans le prendre. Bravo. Prochaine fois, j'irai dans la grotte. Je penserai à bien vérifier ma nourriture avant. Ah, le bordel. Je l'ai dit en plus, c'est ça le pire. Mais non. On mangera le steak. Oh, l'épisode sera sûrement un peu plus long que d'habitude. C'est normal dans la grotte. Opinion. Cristal. Bien. Vas-y. Hop. On met pas de grand chose, mais c'est bien. Ça la petite sauvegarde vu que je suis revenu là bon j'aurais sûrement pas fait 100% de la grotte mais c'est pas bien grave
Ouais, non, d'accord, c'est pas là que je viens. Je suis en train de revenir sur mes pas. Non. Oui, voilà, bon. On arrive au-dessus, à l'ouverture que j'avais vue. Très bien. On va éviter d'y aller. En vrai, on peut passer par là et on saute dans l'eau. Voilà. C'est cool, le temps perdu. En tout cas, le bruit dans les grottes, super bien fait. On va traverser ça. Ah oui, d'accord. En fait, on est obligé de passer par l'eau pour aller en bas et aller dans les zones grottes. Donc, il faut repasser par ici. Touché. Non mais oh, trois chauves-souris, 5 mecs, 3 chauves-souris. Bon, c'est bien, il y a du tissu. Il me faut 4 bandages. Ça c'est plutôt bien. On est autosuffisant ici. Ouais, à part en légumes, quand on vient pas plein. Encore une fois. Dis donc, les minerais, c'est bien. Oui, encore là. Hâte de courir. Un truc qu'il faut que je fasse aussi, c'est enlever ça. Voilà. Comme ça, j'ai déjà utilisé mon oxygène à moi. À mon personnage et ensuite l'oxygène de la bouteille. Au final j'ai prévu 3 bouteilles mais j'en aurais largement assez d'une. Il a bien réduit la consommation en oxygène, ça c'est cool. De toute façon là si je suis la rivière je vais arriver au lac. Voilà, on y est effectivement. Ça veut dire que j'ai mon feu ici. Que je vais quand même allumer histoire de dire que. Ah, en plus j'ai un minerai à récupérer là-bas. Du coup, je récupère de l'eau. J'allume ça, je mets les deux steaks dedans et la flotte. Histoire de pouvoir remonter un peu. Je vais en profiter pour prendre ce minerai. Il n'était pas là tout à l'heure, donc ça a déjà repop. C'est bien. En plus, je n'en ai pas eu beaucoup de ça. J'aurais dû te faire à droite à gauche. Déjà, mais autant que la viande cuise, de toute façon, j'ai le temps. Le charbon, vas-y. Oh, plein de charbon. Le cristal aurait été mieux, mais bon. Pas grave. Vas-y. À côté, ça met un peu de temps avant de cuire la viande, donc j'ai le temps. Je suis affamé, je sais, j'arrive. Voilà. Hop, on y va. Combien? 62 de charbon, 11 phosphate, 41 cristal. 41 de cristal, c'est déjà pas mal. Je vais pouvoir continuer d'améliorer mes panneaux solaires et mon éolienne. Mange, mange. Et bois. Vas-y. On va refaire cuire l'eau. Ça va vite. Ouais, bah au final, j'avais pas besoin de feu réellement. Je vais utiliser le feu des autres abrutis. C'est bien. Un peu de charbon dans leur feu.
juste prévoir un allume-feu au cas où, justement. C'est tout. Pour une première session dans la grotte, en vrai, c'est cool. Ouais, mais non. Pour une belle miniature comme ça. F12, voilà. Sympa. Allez. Donne-moi l'eau, donne-moi le charbon, et puis c'est bien. Ciao. Par où? C'est par là. Donc, comme tout à l'heure, je vais me mettre au-dessus, plonger et utiliser l'oxygène le plus tard possible. Là, ce qui est bien avec la bouteille d'oxygène, c'est que je vais pouvoir aller chercher des perles maintenant. Peu importe la profondeur. Attention. Maintenant. Ouhou. C'est chaud. La moitié d'une bouteille, ouais, ça va. Et comme je n'utilise pas d'énergie sous l'eau, bah c'est bien, ça remonte. Je suis à fond là, 95 sur 95. 97 sur 97 pour la vie. J'ai pas utilisé un seul kit. Juste 4 bandages. Et une recharge. Oh. Ah, dis donc. 43 minutes d'enregistrement et j'ai l'impression qu'il fait nuit. D'accord, oui, on est d'accord. Une perle. Ah bah, rentable la sortie là. J'ai l'air souvent à trouver des perles, bah là, au moins j'en aurai. Et pas que. Un truc là, mais je sais pas vraiment, c'est un minerai ou quoi. Non, c'est un varech. Ah oui, encore une perle. Ah, j'ai une bouteille d'oxygène qui est morte. On va entamer la deuxième. Oh la vache. Faudra me remettre bien en perles. Épisode bien plus long que d'habitude. D'habitude, je suis vers les 35, 40 minutes. En vrai, je suis déjà à 45 minutes là. Ouais, je prends aussi ça. Tant que je suis là, franchement. Y a tellement de perles au fond de l'eau, la vache. Oh oui! Cette perle! J'en avais qu'une à la baraque. La baraque, c'est par là-bas. De regarder autour, on sait jamais. Là aussi, ça fait 8. En fait, on galère à trouver des perles, mais pas au fond. Ah ouais. Ah ben, moi je vous dis, je vais me refaire des bouteilles d'oxygène et je vais passer du temps sous l'eau. Ah oui. Vas-y. Ça, je pense que c'est du grès que je vois. Ouais. Grimpe, grimpe, grimpe. Voilà. On est sorti. Je peux enlever ma tenue. Ça n'a pas été beaucoup usé, tant mieux. J'aurais pensé à l'enlever avant. Il va sûrement avoir un peu de dégâts. Tant pis. On va aller voir les poupoules. On va manger. On va se remettre bien. Vas-y. Faut pas oublier que je me suis fait attaquer. Il faut que je regarde. Oula, de l'eau, vas-y. Commencez à perdre de la vie. Ok. Hop. Alors, 4, 5, allez. Eh, moi aussi j'en veux. Au passage. Ouais, c'est bon. Je me suis remis bien. C'est cool.
5, c'est bon. Ensuite, poule, on t'en fout de l'eau. Oui, c'est juste un peu plus long. C'est pas bien grave. Il faut que je fasse l'erreur. C'est bon. Une petite pour moi. Voilà. Allez. Bon. Je vais arrêter là pour cet épisode parce qu'il est déjà assez long. Donc, j'ai du rangement à faire. Que je ferai avec vous juste après, de toute façon. Je vais filmer d'affilée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!